grande enquête pour essayer de mesurer, de comprendre le rapport qu'entretenaient nos concitoyens avec leur industrie, et puis pour essayer de diagnostiquer quelle était la prise de conscience sur l'ampleur des phénomènes de désindustrialisation et les conséquences que tout cela avait eues au cours des dernières décennies. Pour ce faire, l'IFOP a mis en place un dispositif assez ambitieux, puisque 4800 personnes ont été interrogées dans le cadre d'un échantillon représentatif pour pouvoir avoir des focus sur les différentes régions. Et les enseignements sont très riches de cette enquête. Deux tiers de nos concitoyens considèrent qu'aujourd'hui, de nombreux territoires français sont en déclin. Quand on les interroge sur les causes premières de ce déclin, la réponse qui fuse immédiatement est celle de la fermeture des sites industriels et des délocalisations qui arrivent très loin devant les autres ressorts de ce déclin territorial. L'industrie française continue de jouir d'une bonne image dans la population française. 9 Français sur 10 considèrent par exemple que notre industrie produit des objets ou des produits de qualité. La même proportion, 9 sur 10, considère que cette industrie française fait partie de notre patrimoine national. Plus de 80 d'entre eux, 85% exactement, considèrent également que notre industrie contribue au rayonnement du pays à l'international. Une proportion importante, plus des deux tiers, estime que notre industrie est en déclin et surtout qu'elle a accumulé un retard dans sa concurrence, sa compétitivité avec ses partenaires ou ses concurrents étrangers. Ce constat d'une désindustrialisation qui a frappé de très nombreux territoires et qui donc du coup a entraîné le déclin territorial est partagé. C'est un diagnostic qui est partagé par toutes les classes d'âge, tous les milieux socio-professionnels, également toutes les sensibilités politiques, mais également, et ce qui est un vrai enseignement dans l'enquête, dans toutes les régions françaises. C'est-à-dire que si certaines de ces régions, de par leur histoire, de par leur spécificité économique, ont été moins frappées que d'autres par la désindustrialisation, toutes les régions considèrent néanmoins, ou s'accordent néanmoins, à penser que cette désindustrialisation et ce déclin industriel est un phénomène majeur. Donc il y a la possibilité, grâce à cette enquête, d'aller lire territoire par territoire. Bien évidemment, la France du Nord-Est, qui a été très durement touchée, est encore un peu plus alarmiste que le reste du territoire national. Mais c'est un constat, encore une fois, qui, vu son ampleur, est partagé de manière assez consensuelle et assez homogène sur tout le territoire. Dans ce contexte, une grande majorité des Français que nous avons interrogés considèrent que les problèmes liés à cette question de la désindustrialisation ne sont pas traités par les politiques, et une très forte proportion d'entre eux, 95% exactement, estiment que la réindustrialisation devrait être une des priorités absolues à la fois des candidats dans cette campagne, mais aussi et surtout pour le prochain quinquennat. Ce constat, ce diagnostic qui est fait, qui est assez lucide de la part de nos concitoyens, a été encore amplifié par la crise du Covid, qui pour 93% des personnes qu'on a interrogées a fait office un petit peu de révélateur, au sens chimique ou photographique du terme, de l'ampleur de la désindustrialisation que connaît notre pays, mais aussi des conséquences très concrètes que cette désindustrialisation fait peser sur notre société. À l'occasion de cette crise Covid, les Français ont ainsi découvert de manière sidéré que la France ne produisait plus un gramme de paracétamol, par exemple, ou que quasiment plus d'usines n'étaient en capacité sur le territoire national de fournir les 6 précieux masques de protection pour la population et les soignants.